Ensuite, Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit pour y être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable, le tentateur, s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Mais Jésus répondit « L'Écriture déclare « L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Car l'Écriture déclare « Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus lui dit « L'Écriture déclare aussi « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde et leur splendeur, et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit « Va-t'en, Satan, car l'Écriture déclare « Adore le Seigneur ton Dieu » et ne rend de culte qu'à lui seul. » À ce moment-là, le diable le laissa. Des anges vinrent auprès de Jésus et ils le servaient. Quand Jésus apprit que Jean avait été mis en prison, il partit en Galilée, il quitta Nazareth et il vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord du lac de Galilée, dans la région de Zabulon et de Nephtali. Il en fut ainsi afin que s'accomplissent les paroles du prophète Ésaïe. Terre de Zabulon, terre de Nephtali, en direction de la mer, de l'autre côté du Jourdain, Galilée, région des étrangers. Le peuple qui vit dans l'obscurité verra une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, la lumière se lèvera. » Dès ce moment, Jésus se mit à proclamer « Changez de vie, car le royaume des cieux est tout proche. » Vous est-il arrivé de douter? Pour ma part, je cherche les jours où je ne doute pas à certains moments. Dans le texte de Matthieu sur cette tentation au désert, le doute est là, dès l'origine. Par trois fois, le diable tente Jésus. Par trois fois, dans un épisode savamment orchestré, Jésus doit combattre le doute quant à sa foi. Satan lui propose de transformer les pierres du désert en pain. Puis, il lui enjoint de sauter du toit du temple de Jérusalem et enfin de régner en maître sur tous les royaumes de la terre. Du corps qui doute à cause de la faim, de la tentation du saut dans le vide, et pour finir, du désir de reconnaissance par l'humanité tout entière et tyrannisée, Jésus combat ses démons pour enfin réduire le doute à sa portion congrue. Tu ne vis pas que de matériel ni de gloire, tu vis de et par la parole. Que dire de ce passage si ce n'est que le doute impossible à éradiquer est utilisé comme un outil véritable par Jésus, une sorte de judo mental. Il utilise la présence de la tentation et du doute pour parvenir à l'essentiel, à son être le plus profond. Dégagé de toutes les poussières, il acquiert une paix de l'âme,
une plénitude et un charisme qui lui permettra ensuite, en deux phrases, de convertir ses deux premiers disciples. Suis-moi, le royaume approche. Alors non, n'ayons pas peur du doute, c'est une force qui nous fait grandir. Jésus, en qui Dieu a dit au moment de son baptême mettre toute sa joie, Jésus a donc traversé l'épreuve du doute. Et puis, ce temps de recul au désert a raffirmé sa foi et son engagement à aller jusqu'au bout. Il est prêt désormais à entrer pleinement dans son ministère et à annoncer la bonne nouvelle. Parti en Galilée, son message est clair et bref, il proclame « Changez d'état d'esprit et de comportement, choisissez la vie, le royaume de Dieu s'est approché. » Va alors se produire tout ce qui peut paraître tout à fait invraisemblable. Le recrutement de ses premiers disciples. Et que leur dit-il ? Pratiquement rien. Un simple appel, mais qui résonne aux oreilles de ces pêcheurs de poissons. Venez avec moi, et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Et ils viennent, ils le suivent. N'est-ce pas ahurissant ? Que feriez-vous ? Interpellé de cette manière, et qui peut comprendre aujourd'hui qu'on réponde ainsi à l'appel d'un inconnu? Car Jésus, au tout début de son ministère, est sûrement inconnu en Galilée, région, nous dit le texte, qu'habitent des non-juifs. De plus, c'est comme au hasard que se fait la rencontre avec Simon et Pierre, puis avec Jacques et Jean. Jésus marche le long du lac de Galilée. Il se promène, pour ainsi dire. Il voit ses pêcheurs en train de lancer leur filet. On pourrait certes penser et dire que la vie de pêcheur à cette époque est rude, risquée, sans doute précaire. Peut-être est-ce plus facile pour eux que pour d'autres de tout quitter, de tout laisser. Mais aucune explication rationnelle ne peut vraiment justifier une telle décision, sauf celle de l'autorité qui émane de la personne de Jésus, portée par la confiance en l'amour de son Père, la détermination de son engagement et la vérité de sa parole. Un premier miracle, donc, mais suivi de beaucoup d'autres, comme le montre la fin du texte. En l'espace de quelques versets, on passe en effet de 4 disciples à de grandes foules accourues de régions parfois éloignées. Cette parole qui saisit tous ces gens a bel et bien pris le relais des filets de pêche. Même si, pour les poissons, le filet conduit à la mort. Ce n'est pas le cas ici. La parole de Jésus, cette parole qui nous rassemble et nous unit encore aujourd'hui, est au contraire une parole de guérison et de libération. En Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu, je renais à la vie. Amen.